Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour découvrir le cyclanthaire géant, une plante géniale, un espèce de concombre qui grimpe dans les arbres facilement et qui est super facile à cultiver et qui est super bon. À tout de suite. Alors je voudrais vous faire découvrir le cyclanthaire géant. C'est vraiment une plante géniale, qui est très productive, qui est très intéressante, qu'on peut manger quand ils sont matures comme ça. On peut les manger crus en salade, on peut les manger en gratin, on peut les manger cuits, on peut les manger en soupe, on peut les manger en cornichons. Donc les tout petits, en fait, on va les manger comme des cornichons et c'est les gros qu'on peut farcir. Les recettes vraiment farcies, c'est excellent. C'est un super légume à farcir. Il y a juste à le fendre et à le remplir de farce et à mettre ça au four avec un peu de sauce tomate autour. C'est vraiment excellent. C'est génial. C'est un légume fruit qu'on peut faire pousser dans les arbres, qui grimpe facilement dans les arbres. Et donc, on récolte au mois d'octobre. On peut récolter tous les petits. On va les mettre comme des cornichons dans du vinaigre. Et tous les gros, on peut les récolter comme ça. Toc. Donc vous voyez, ça fait comme une barquette en fait, qu'on va farcir. Donc on récupère les graines, qu'on va mettre de côté pour les ressemer l'année prochaine. Et ça, du coup, les deux barquettes, on peut les farcir. On peut aussi le couper comme ça, l'éventrer et le remplir de farce et ensuite le laisser comme ça. Et vous les faites mariner avec des tomates. On peut les farcir avec des patates douces, les tomates, les poivrons, enfin une farce. Hein. Vous faites une farce avec de la viande ou avec un peu ce que vous aimez mettre dans la farce. Hein. Alors moi, ce que je fais en général comme farce, hein, c'est un mélange patates douces, oignons, tomates, l'équivalent un petit peu d'une espèce de ratatouille. Mais avec de la patate douce ou de la pomme de terre qui va donner un côté consistant. Et puis on rajoute des épices, des aromates, un petit peu comme on aime, hein, du curry quand on aime bien le curry, de l'ail et du persil quand on aime bien la persillade. Et donc c'est vraiment un légume assez génial à découvrir, le cyclanthaire géant. Et si vous voulez des semences, c'est pas toujours facile à trouver, hein. Il n'y a pas beaucoup de semenciers qui en produisent, mais donc si vous en voulez, n'hésitez pas à en demander quand vous achetez mes livres ou quand vous venez dans les formations. J'en distribue dans les formations et j'en distribue un peu quand vous me demandez d'acheter mes livres. Donc quand vous faites une commande, n'hésitez pas à dire « Ah, j'aimerais bien un peu de cyclanthaire géant, je vous mettrai quelques graines avec votre envoi. » Alors il en existe plusieurs variétés et d'ailleurs il faut faire attention parce qu'elles se croisent et du coup quand vous en avez plusieurs dans le jardin forêt, vous aurez des hybrides l'année d'après. Alors ce sera, si on prend celui-là, c'est le Pedata. Cyclanthera pedata commun. Donc lui aussi il est intéressant mais beaucoup moins, il faut les cueillir quand ils sont tout jeunes. Et eux on va les manger soit en cornichon, soit un peu comme le concombre en fait, on mange ça dans la salade, ça a vraiment un goût de concombre. Et donc ça c'est le pedata, il y a celui qu'on appelle le cornichon sauteur parce qu'il éclate, donc cette variété là elle éclate pas. Et après il y a la version géante. Donc c'est celui-là, c'est Cyclanthera, je crois qu'ils sont tous pedata et que celui-là c'est une variété Gigantea ou un truc comme ça quoi. Et donc c'est vraiment une plante géniale, c'est super facile à faire pousser, c'est très facile de faire ses graines, chaque année on récupère les graines. Ça va être pollinisé essentiellement par les guêpes, un petit peu par les abeilles, mais c'est beaucoup par les guêpes en fait que c'est pollinisé, d'ailleurs comme les chayotes. Et en général, les guêpes, c'est pas comme les abeilles, elles vont pas à 3 km. Elles restent dans une circonscription qui est pas très loin. Et donc du coup, si on en met un d'un côté du jardin et l'autre de l'autre côté du jardin, si on a un grand jardin de plusieurs milliers de mètres carrés, on peut avoir deux variétés. Et sinon, je vous conseille vraiment d'avoir que le Gigantea, comme ça, du coup, vous êtes sûr que ça se croite pas, quoi. Là, on voit, hein, ils peuvent devenir vraiment énormes. Là, on en voit un petit peu plus petit. Et sur tout le long, on va voir qu'ils vont en faire des plus petits, en fait. Et c'est ces plus petits qu'on va mettre au vinaigre, qu'on va pouvoir garder toute la saison. C'est une plante qui est vraiment très productive et qui est vraiment très, très bonne au goût. Hein. Les petits, là, hop. Les petits, là, c'est ceux-là qu'on va pouvoir mettre au vinaigre. Là, quoi.
Celui-là, vous le mangez comme ça. C'est super croquant. Ça a vraiment un goût de concombre. Ça a pratiquement pas d'amertume. Alors surtout si vous mangez ça avec de la vinaigrette. Contrairement aux cornichons communs, c'est quand même vachement plus productif. Beaucoup plus autonome, hein, il grandit, il n'y a pas besoin d'arrosage quasiment. Et en plus, parce que faire des semences de concombres, bah, faut que vous laissiez les petits concombres vieillir. Alors que là, bah, vu que les gros, on les ramasse pour faire des farces, hein, pour les farcir ou pour les manger comme ça, en fait, on a à la fois le cornichon et la semence en même temps chaque année. Et tout ça en plus en récoltant, autant les cornichons, faut les récolter au fur et à mesure pendant toute la saison, sinon ils deviennent amers. Si tu les récoltes trop tard, ils deviennent amers. Autant, bah, ça, tu récoltes tout en septembre, enfin, fin septembre, octobre, début novembre. Tu récoltes tout, tu récoltes les gros, les petits, tu fais tes cornichons pour l'année et c'est réglé. Donc, c'est vraiment une plante qui est super intéressante à avoir dans son jardin forêt. Là, on voit. C'est relativement productif. Hein. Il y en a à tous les étages. Et là, c'est tous ces petits-là là, qu'on va mettre au vinaigre. Et ça fait une plante hein, qui... Un plant peut devenir quand même très... très volumineux et produire énormément. Et il y en a partout. Le gros avantage avec ce fruit, c'est qu'il n'est pas, étouffant, il a un feuillage qui est laciné en fait. Ça ressemble un peu au cannabis. Et donc du coup, il laisse passer la lumière, ça étouffe pas l'arbre en fait. Et donc vu que c'est un légume qui va mettre du temps en fait avant de grimper sur l'arbre, ça va pas augmenter les maladies pour le poirier, ça va pas augmenter les maladies comme la tavelure. Qui peuvent être dommageables en fait, parce que si en gros ça m'augmente, si sur mon poirier bah, je produis des cyclanthères et des chayotes comme ça, mais que ça me fait chuter les rendements en poire, bah, c'est pas vraiment super intéressant en fait de se servir de l'arbre comme un support. L'idéal c'est que ça produise des fruits en plus, donc on arrive à augmenter les kilos au mètre carré sans faire chuter les rendements et sans augmenter les maladies. Le seul inconvénient c'est que des fois c'est un peu chiant à récolter. Donc là par exemple il y en a un, je sais pas comment je vais l'attraper, il faudra que j'y aille à l'escabeau parce qu'autrement je vais pas l'avoir. Donc là il y a des chayottes. Là, il y a une chayotte encore en haut, là il y en a encore en haut. Mais je vais être obligé d'y aller à l'escabeau. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez télécharger notre e-book gratuitement sur le site de la forêt nourricière que vous retrouvez en description dans le lien de la vidéo. Vous pourrez aussi retrouver toutes ces infos dans le calendrier du jardin forêt où vous retrouverez mois par mois toutes les tâches, toutes les étapes pour pouvoir produire vos plantes et pour pouvoir entretenir votre jardin, savoir greffer, bouturer, savoir quand greffer quoi, quand bouturer, quand multiplier à chaque saison, quand récolter aussi les semences, récolter toutes les sortes de légumes, les fruitiers rares. Vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'astuces dans notre guide des semis qui a été plastifié, qui est justement fait pour pouvoir être dans la pépinière, le prendre avec les mains mouillées et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer les haricots, les pois, les fèves, les carottes et réussir tous vos semis et surtout comprendre quand vous ratez vos semis. J'ai recensé un petit peu toutes les variétés les plus résistantes aux maladies, comment avoir les meilleures pollinisations pour que ça produise le plus de fruits possible, comment voilà, tailler, bouturer, multiplier, ça vous avez ça dans le livre « Multiplication des ressources végétales ». Et bien sûr, vous pourrez trouver toutes ces informations dans notre formation en ligne « Un an dans un jardin forêt » et dans la formation aussi « Créer son jardin forêt productif ». Les deux formations vont ensemble, hein. Il y en a une, c'est pour créer le jardin et ensuite c'est pour l'entretenir tout au long du temps. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations en venant dans nos formations, dans nos cours de design, dans les formations sur le jardin forêt et le verger permaculturel, où en plus vous pourrez rencontrer des porteurs de projets comme vous, travailler en équipe sur vos projets, faire des chantiers participatifs avec les anciens élèves. Vous pouvez aussi nous faire des dons sur Tipeee, où vous aurez en contrepartie des e-books, des posters à télécharger, des fiches techniques, des astuces. N'hésitez pas à nous soutenir comme vous pouvez, hein, que ce soit juste un like, un pouce, c'est déjà bien. Déjà, merci de nous suivre, merci de faire avancer le schmilblick des jardins forêts et surtout, rappelez-vous bien, qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser et c'est important de savoir rater jovialement et de faire des tests, de faire des recherches
et de faire avancer la phytosociologie des plantes alimentaires. Voilà, merci à tous et merci de nous avoir suivis.